Là, nous avons décidé pour Pont Aubert, c'est pour tout ça qui est physique, moral, mental. Et là où vous venez prendre la salle là, au sorti là, en fait, ou bien, même si vous vous sentez où vous êtes engagé là, ou bien vous êtes stressé ou angoissé, mais là, vous sortez bien là, ou bien. Ça veut dire qu'elles sont bien qui a nettoyé, qui a purifié intérieurement. Bien avant le développement de l'électricité géothermique, la chaleur géothermale était déjà une source de bienfaits pour les peuples de la Caraïbe. Dans le chapelet d'îles volcaniques que forme l'arc antillais, la géothermie est une énergie en provenance directe des tréfonds de la Terre, dont le véritable potentiel est encore méconnu. L'arc antillais, lui, son histoire, elle commence il y a un peu presque 50 millions d'années, à l'époque qu'on appelle l'Éocène. Et puis elle est complexe, elle est formée de la rencontre de deux plaques lithosphériques. La plaque atlantique glisse sous la plaque caraïbe à une vitesse moyenne de 2 cm par an. En s'enfonçant dans le manteau supérieur, la plaque atlantique va libérer les poches de magma qui vont remonter à la surface et former des volcans qui deviendront les îles que nous connaissons. En Guadeloupe, les études précédentes menées par un certain nombre d'universités et le BRGM notamment, ont montré que la ressource se localise à une zone où il y a une intersection entre des failles. Les fluides peuvent bien convecter et c'est à cet endroit-là qu'il y a la ressource de Bouillante. Le réservoir qui fournit la centrale géothermique de Bouillante se situe en effet au cœur de la chaîne volcanique de Bouillante et au carrefour de plusieurs failles, dont la plus importante est un système qui rejoint directement l'île de Montserrat au nord-ouest. Un bon potentiel géothermique, c'est à l'accroissement de plusieurs paramètres. Il y a une activité volcanique particulière qui doit être assez récente, qui est la source de chaleur qui va permettre d'avoir de l'eau chaude. Mais il faut que l'eau puisse s'infiltrer et du coup rentrer dans ce réservoir et du coup être au contact de cette roche chaude pour pouvoir être portée à des températures de 200-250 degrés. Donc il faut pouvoir avoir des failles parce que du coup ces failles vont permettre par la circulation de ruissellement d'eau de pluviométrique ou d'infiltration d'eau de mer, de rentrer, d'atteindre ce réservoir. Plus on s'enfonce dans le sol, plus la température augmente. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Un gradient géothermique normal, ça varie entre 15 degrés et 45 degrés par kilomètre. Dans les zones qui sont exploitables du point de vue géothermique pour produire de l'électricité, c'est bien plus élevé. Ça peut être 100 degrés par kilomètre. À certains endroits, comme au Bain Thomas ou à Bouillante, il y a des manifestations de surface, donc des sorties de fluides par exemple. Sur la zone de Bouillante, la température des fluides souterrains peut atteindre jusqu'à 250 degrés. À la Dominique, dans la région du Boiling Lake, les températures en sous-sol peuvent atteindre près de 300 degrés. Oui, donc ici, on est à ce qu'on appelle la ravine Thomas, où il y a des bains chauds. Et donc on voit ces dépôts, c'est d'origine volcanique, hein, c'est dans les roches volcaniques. On voit que ces formations géologiques sont affectées par une faille qui est là, qui forme des faces ici. Au bain Thomas, la source d'eau chaude dont profitent les visiteurs est en effet située précisément sur une faille dans la croûte terrestre. Elle a une orientation qui est est-ouest. Et associée à cette faille, au sein des roches qui, elles, sont à une température normale, sont froides, circulent des fluides qui sont pour partie dus à l'infiltration de l'eau de pluie dans les roches et pour partie dues à l'infiltration de l'eau de mer dans les roches, se mélangent, passent en profondeur dans les roches, interagissent avec la roche, se réchauffent et ressortent ici. On voit ici des volutes comme dans une casserole où il y a de l'eau chaude en bas et de l'eau froide. Alors ça se mélange avec les vagues. On voit que les fluides ressortent ici, par la faille, pas à côté, ici. Et puis bien sûr, cette faille se poursuit sous les gens qui profitent des vertus des fluides. Et les fluides sortent le long. En Guadeloupe, la région de Bouillante ne serait pas la seule zone favorable à une exploitation géothermique. On recense aussi un potentiel probable aux alentours de la Soufrière et de vieux habitants. On retrouve aussi un potentiel sur les sites bien connus de Ravine Chaude ou Sofaya. Et bien là, ça est bon en fait pour tout ça qui maladie des os, courbatures, crampes, sciatiques, douleurs, rhumatisme.
Parce qu'après Chikungunya, eh ben, nous tenions plus de 300 à 400 visiteurs qui passaient ici dedans. Parce que vous savez, après la maladie là ça, mon tekani doit quitter des crampes, tu as été bloqué, zoté aussi. Eh bien, à la suite de 3-4 bains, il était bien. La Martinique aussi a ses propres sources d'eau chaude qui témoignent d'une activité géothermique en sous-sol. Les études de prospection ont d'ailleurs révélé un potentiel d'exploitation de la géothermie à température réduite. Donc ici, on se trouve au niveau de l'aéroport donc du Lamantin et on a donc un indice de surface de la géothermie en profondeur. Donc on a une source chaude qui avoisine les 45 degrés avec un dégagement gazeux. On peut retrouver ce type d'indice à plusieurs endroits et ça traduit effectivement le potentiel géothermique de toute la plaine du Lamantin. Il y a déjà eu des forages en Martinique à la fin des années 90 dans la plaine du Lamantin, dans la zone où nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'il y a aussi ici un réservoir géothermique. Malheureusement, il n'était pas assez chaud. On se retrouve avec une température qui est entre 80 et 90 degrés. C'est insuffisant pour produire de l'électricité de manière classique. Par contre, cette chaleur peut être valorisée, le puits ayant été creusé dans un bassin d'une zone industrielle. Il s'agit de produire de l'eau froide et de l'eau chaude qui sont distribuées sous la forme de réseaux de froid et de chaleur. Technologie absolument maîtrisée par la France et par ses industries. Pourquoi ? Tout simplement, ce n'est pas connu, mais aujourd'hui en Île-de-France, il y a un bon tiers du chauffage d'Île-de-France, du chauffage urbain, du chauffage collectif qui vient de géothermie. Donc ici, on se trouve dans la zone industrielle de Californie où a été réalisé donc un forage géothermique en 2001. Ce forage-là fait 700 mètres de profondeur et on trouve une température, enfin de l'eau à 90 degrés. L'avantage d'avoir un forage en pleine zone industrielle est de pouvoir utiliser donc cette ressource pour répondre aux besoins directs des bâtiments et des entreprises voisines. Mais le sous-sol de la Martinique ne se limite pas à ces températures réduites. Les études récentes laissent espérer un potentiel propice à la production d'électricité. En Haute-Entalpine, nous avons des pistes. Nous avons repéré deux zones, une zone à Petit-Anse des Anses d'Arlée, une autre zone au Morne-Rouge, où on soupçonne la présence d'une ressource géothermique intéressante. À l'aide de calculs de géothermomètre, on a pu voir que le premier réservoir au niveau de la rivière chaude avoisine les 180-200 degrés. Le deuxième réservoir au niveau de la rivière Picaudeau tourne autour de 155 degrés, 180 degrés. Ce sont des températures qui peuvent permettre effectivement de la production d'électricité. Maintenant, il faut aller vérifier, confirmer cette ressource de manière prudente. On s'attend à trouver 10 à 20 mégawatts de géothermie. Sur la montagne Pelée et les Anses d'Arlée, donc là on est sur deux zones qui sont très sensibles. La montagne Pelée c'est classé, c'est environnemental, c'est patrimonial, il faut le dire, patrimonial, ça appartient à la population martiniquaise. C'est vraiment donc la volonté de faire attention à ce qu'on va y faire, de ne pas y aller uniquement avec un objectif financier ou industriel. Et puis les Anses d'Arlée c'est un lieu hautement touristique, on ne va pas défigurer une zone magnifique dont nous profitons tous les jours dans notre vie pour un objectif énergétique. On ne va pas pour autant les sanctifier, les sanctuariser au point de ne pas développer l'économie martiniquaise et surtout l'emploi en Martinique. Comme à la Dominique, le potentiel géothermique martiniquais se trouve dans des zones écologiquement sensibles. Les projets de géothermie devront comporter une stratégie d'accompagnement efficace pour allier développement et préservation du cadre naturel.